Salut tout le monde, c'est Koenski, de retour à Kalimalt. Alors on va commencer peut-être par bouger la glace avant de commencer la crypte pour le pauvre Edric qui est mort dans la vidéo précédente parce que la glace ils l'ont mise n'importe où. Donc je vais enlever au niveau des stockages ici, elle doit être activée par défaut, fabriquer un bloc de glace, voilà je l'enlève. Là je pense qu'il n'y a pas ça. Malgré tout ça s'est retrouvé là mais je pense par hasard. Donc au niveau des stockages, c'est bon, on a enlevé. Maintenant, on va déterminer quelques petits endroits ici où on va mettre stock de glace. Par exemple, là, on peut en mettre... En fait, ça gêne pas vraiment. Ils peuvent passer à côté. Enfin, un petit peu comme on peut quand même. Là. Bon, j'enlève tout. Matériaux fabriqués. Bloc de glace. Copier. Coller. Alors par contre, si c'est un par... Ouais, d'accord, c'est un par endroit. Il faut vraiment toute une rangée. On va mettre que ça, quoi. Idéalement en plus. Donc je vais agrandir ceci. Ça va gêner un tout petit peu le passage éventuellement, mais... Ils peuvent passer au-dessus, quoi. Moi, j'ai besoin de la place, donc... Je dois le faire. J'imagine qu'ils vont amener ça aujourd'hui. Bon, ou demain. La dernière fois, on avait réglé ensemble le problème de plantation, c'est-à-dire qu'il fallait pas que le champ initialement soit trop grand, sinon ils ne voulaient pas planter du tout. Là, par exemple, ils ont tout rempli en carottes, maintenant je peux agrandir. En espérant que... Bah, j'ai peur que maintenant, du coup, qu'il est trop grand, bah, ils vont pas vouloir du tout. Et ça, c'est pour moi, c'est vraiment pas bon, quoi. J'aimerais bien que les développeurs règlent ce genre de petits problèmes avant de rajouter des nouvelles choses, éventuellement. Ça peut quand même bousiller une partie si on fait pas gaffe. À propos de nouvelles choses, j'ai lu dans les actualités du jeu, il y a déjà un jour ou deux, que les développeurs allaient ajouter l'eau dans le jeu. On va avoir des lacs, on va également avoir une gestion de la physique de l'eau. Donc très très bien. Et j'imagine qu'il y aura de la pêche, peut-être de l'élevage de poissons. Voilà, il n'en a plus assez, oui, c'est un peu... Autant en mettre un peu plus et enlever si on n'a pas assez. Ah! On va pas vouloir enlever celui-là, je pense. Si, mais alors il a pété tout le champ. Tralala. Ah! Bon. Je peux même pas en ajouter une en réalité, bon. Puis il y avait celle-là, c'est un peu... Enfin, ça va continuer à pousser, je pense qu'ils vont quand même récolter. Là, le champ, ça a l'air d'aller, en tout cas, ils me disent pas que ça va pas. Donc on va agrandir, mais... Je me méfie, quoi. Ah voilà, il n'y a plus assez maintenant. Ça devrait être bon. Et là, on manque de colons, de toute façon, suffisamment habiles. Alors, on va creuser vers le bas, du coup. La crypte, on va la faire, je pense, finalement, côté droit. Je pense que côté gauche, on va faire le hall pour manger. Peut-être qu'on fera un petit cellier avec des repas préparés uniquement. Oh non, on a un poulet qui est mort. Bah. Il est mort de faim, quoi. Peut-être qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait pour manger. Pourtant, j'ai mis tout ce que je pouvais, donc... peut-être qu'il est mort d'autre chose. Non. Au printemps, Hunda le poulet a renoncé à la vie, mais... Comment est-ce possible? Ah, il y a un putois qui est venu le tuer. Ah non, c'est comme dans la vraie vie, les poules ne survivent pas dans le poulailler. Oh. Ok, il va peut-être falloir éradiquer au niveau de la faune tout ce qui est putois, mais honnêtement, je dois m'amuser à chercher tous les putois parce que ça tue les poules dans le poulailler, on va pas s'en sortir. Ouais, les putois, ils peuvent peut-être passer au travers des barrières.
Donc j'essaie de suivre une fois un peu la nuit qu'est-ce qu'ils font, mais le problème c'est que maintenant j'ai plus de poules. Donc j'ai plus d'appât. Bah écoutez, faudra en racheter, c'est tout, hein. C'est pas grave. Donc, on prend ici l'extraction. On va faire... Donc là, l'escalier monte, il montera encore l'étage suivant sur les côtés. Mais sur le côté là, on va descendre. On va descendre. Comme ceci. Là, il y aura le bas. Pour arriver à un genre de palier. On va creuser du coup comme ça. Et on fera... Peut-être même qu'on le fera le palier un peu plus large, avec un petit parapet sur le côté. On a la place après tout. Et alors l'entrée vers la crypte qui serait quelque part par là. Ça me paraît pas mal. Faisons comme ça, faisons comme ça. Il faudra mettre du plancher du coup, pour pas qu'on traverse évidemment. Pour qu'il y ait vraiment un sous-sol. Et une porte. Ok. Donc on creuserait là, là ce serait la porte. Là on arriverait à un genre de couloir. Oui, un petit couloir. Deux de large quand même. En fait j'aimerais bien que la crypte elle soit comme ceci. Pas besoin de faire plus large. Ça éviterait d'avoir des colonnes à l'intérieur pour le moment. On pourra l'élargir plus tard s'il faut. Avec l'entrée ici au milieu, ça voudrait dire que ici, on creuserait et on fera une porte. Et j'espère que vous voyez où je veux en venir. On va déjà commencer par ça. Alors, est-ce qu'on manque de choses ou est-ce que juste on manque de... Ah, c'est dommage, hein, Edric, mon constructeur, mais c'est pas grave. On va en retrouver d'autres. C'est la vie en communauté. Dans un monde dangereux, difficile. Allez, coup balle plante, des choux. Bon, est-ce qu'on va s'arrêter? Est-ce qu'ils ont pris... est-ce qu'ils ont mis la glace? Oui. Alors la température, ça donne quoi du coup? Ça donne que la porte n'est pas terminée ici, donc faut la faire. Ouais, faut la faire en priorité. Coupe peut construire, il me semble. C'est peut-être mon premier constructeur maintenant. Oui, ben ils viennent contrarier, les gars. Deux secondes. Je vais quand même regarder un petit peu ce qui contrarie, tiens. A vu un cadavre, c'est embêtant. Un ami est mort. Ouais, c'est les moins 25 qui posent problème. Une fois qu'on va l'enterrer, je pense qu'ils seront plus contents. Ils pourront se recueillir. Donc une fois que la porte est mise, on a 2 degrés 3, c'est pas mal, sachant que le minimum c'est 0 pour un cellier dans le jeu. On peut pas descendre plus bas. Il faudra voir la fermentation, comment ça va se passer, mais je crois que c'est encore possible. Alors j'ai enlevé l'orge comme consommation de nourriture, donc ils font pas des repas avec. Il y a la viande crue, il y a le lait, donc pas grand chose pour le moment. Il faudra attendre les premières récoltes. Et j'ai interdit la consommation de nourriture crue, donc là, attention quand même. Hein. Faut que je fasse gaffe. Bon, normalement, le champ d'or, je dois pouvoir l'agrandir maintenant. Vu qu'on a fait des récoltes. Là, c'est déjà semé, en fait. Ça a l'air d'aller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je crois que c'est ce que je... Non, je voulais 12 jusqu'au bout, évidemment. Ok, là, je peux tout mettre. Après du coup, on pourra, quand ils auront tout semé, je vais débloquer la consommation d'orge. Il faudra juste qu'on récupère des graines. Suffisamment quand même, donc je sais pas trop comment ça va aller. Mais une case donne 8, donc bon, on peut espérer qu'on replante directement.
Du lin, on a beaucoup de graines. Ça, on peut pas s'en servir. Des betteraves, on en a 32. Bah alors, plantez-les, les gars. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup à faire. Il y a Modeline qui a encore pété un câble. Ça va s'améliorer, vraiment. Il faut qu'on donne plus trop d'ordre et qu'on termine cette crypte. Qu'on entame cette crypte. Ça veut dire faire du sol également ici au-dessus, hein, on l'a dit. Mais d'abord, j'aimerais commencer à creuser. Ça y est, c'est parti. Allez, ça va aller. On a pas mal de nourriture crue. On a deux fumoirs. Alors, il y en a un que je dois réparer, c'est vrai. Et il était ici. C'est bon, tout le temps. C'est juste que peut-être on n'a pas ce qu'il faut pour faire cramer. Combustible. On a plein de branches, là. Ça doit pouvoir fonctionner comme combustible, j'imagine. Branchage, c'est bon. Donc les mecs, là, qui s'occupent de ça? C'est quoi comme activité? C'est quoi comme activité, ça? Viande fumée. Cuisine. Mmh. Cuisine, c'est Modeline. Hein. Ouais, mais elle est brisée, elle est brisée. Pour un suppléant qu'on puisse avoir en 1, sauf que Kuba, lui, il plante. Purée, ils sont pas contents. Hein. Semer, c'est important aussi. Ah, ils ont faim. Ok, on va accepter qu'ils mangent de la nourriture crue, tant pis. Cru, repas. Toutes les nourritures, allez hop. Bon ben mangez ce que vous pouvez. Hein. Il y a des choux qui vont arriver après, ça va aller. Ils ont terminé l'agrandissement ici, on va essayer d'enlever ceci et voir ce que ça donne. On a quoi ici? Encore des groseilliers, je vais les enlever. Ça casse tout, voilà. Comme ça, on sait. Parfait. Mais je trouve ça plus clean quand même, avec pas trop de pilas, si on peut éviter. Voilà, c'est mieux quand même comme ça. Ça. On va refaire des mangeoires pour être sûr qu'il y a assez de place pour mettre la nourriture. Comme ceci. C'est bien. C'est plutôt bien. Allez, ND. Alors, je vais également faire une zone de bois bientôt. Mais bon, on peut pas tout faire en même temps. Modeline jardine. Ouais, j'aimerais bien qu'elle fasse la cuisine, mais... On a quand même 9 viandes fumées maintenant, donc elle en a quand même fait, c'est bien. Les champs de carottes, là tout ça s'est semé, donc on est sur floraison, donc 5 carottes et 2 graines par récupération, donc logiquement on va pouvoir étendre le champ. Au fur et à mesure, là j'ai plus de graines, donc ça sert à rien. On a été au plus court, là on a 2 graines, mais il faut les mettre, donc voilà. Pas faire beaucoup plus pour le moment. Il faudra attendre la récolte suivante. Pour le chou, on a mis floraison également, donc c'est bon. Vivement la prochaine recrue, hein, j'espère qu'elle va être efficace. Soit en plantation, pour pouvoir mettre des herbes, pour faire des repas avancés, soit éventuellement en construction, pour récupérer quand même un bon constructeur, ce serait une bonne chose. Allez, on y va, l'escalier en bloc de calcaire. Mais oui, bien sûr, on va faire un truc joli. On descend l'étage en dessous. Ici. Oh, voyageur solitaire. D'accord. Un vendeur, bah ça peut. Ça peut, ça peut. Là, on mettra un petit parapet, par exemple. Là, on descend l'étage en dessous. Est-ce que je veux que ce soit ouvert ou... Ou est-ce qu'on met une porte? Je pense que ouvert, ça va. En réalité. Un petit passage comme ça, je pourrais même enlever là, je pense.
Et faisons plus rapide pour le moment, hein. On va faire la crypte. En méga priorité. Alors je me suis trompé de 1, c'était là qu'il fallait faire. On essaie de toujours respecter le fait que sous les mains porteurs, on fait les murs du dessous, quoi. Pour éviter les problèmes. Et donc, ici... On vient creuser ça comme ça. Là. Et là, c'est l'entrée de la crypte. Et c'est bien. Bien comme ça. Est-ce que ça risque de s'effondrer au-dessus? Parce que là, les distances sont quand même importantes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des poutres. Hein. Donc on va creuser là. Garder les piliers ici. On va les faire d'ailleurs en pierre. Et on mettra une poutre. Mais on va pas faire plus pour le moment, parce que je vous ai dit... Pour l'instant, on veut juste mettre un sarcophage. Ok? Pour enterrer notre copain, et les gens vont déjà être plus heureux, je pense. C'est plaisant. Ok, alors on va faire deux choses. Récupérer du calcaire, absolument. Donc on va essayer de commercer. On va également continuer la mine. Koub. Troc. Comment qu'il se barre. Boyd. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il offre, ce brave Boyd? Des vêtements? Non, du vinaigre. Un mouton. C'est le mien, en fait. Non, c'est tout ce que moi, je peux lui vendre. D'accord. On remonte. En fait, c'est un vendeur d'alcool. D'accord. Il a également un chien. Il a des graines. Ça, c'est bien. On va tout prendre. C'est même très, très, très bien. Des herbes pour préparer la bouffe. Ça peut être bien, mais... J'ai peur que là, ça nous coûte quand même cher. Ah oui, pommier. Par contre, on va commencer un verger aussi. Ça, c'est bien, ça. D'abord, le bois, peut-être, mais un verger serait quand même bien. De l'orge. Ils vendent ça cher, l'orge. On va pas acheter de l'orge. Piège, des repas emballés, non. Ok. Enfin, à la limite, oui, on va vendre des trucs. Ça nous fait de la bouffe directe. Ok, on a 52 à équilibrer, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Tiens, on a un arc long. Il faut qu'on équipe les trucs qui sont tombés après le combat. Beaucoup de choses à faire. On va vendre un casque médiocre. Les deux mêmes. Chien chronique. Couvre-chef médiocre. Deux épées courtes. On est à 28. Je peux revendre un peu des arbres. On est à 21. 12. L'orge, certainement pas. Voilà, je peux vendre ça. Hop. Cool. Alors, ils vendaient pas de calcaire, évidemment. Donc, on va regarder ici ce qu'on peut faire. Ouais, je voulais agrandir. Le truc, c'est que au bout d'un moment... Placer les pentes devient compliqué. Je vais mettre une échelle. Comme on me l'a suggéré dans les commentaires d'ailleurs. Bon, c'est plus lent. Peut-être on peut mettre une échelle, enlever ce bloc-là et puis en profiter pour... Non, je vais pas la faire. On va creuser ça, faire une pente qui me permettra d'accéder ici et d'enlever ceci. Après, je pourrais faire une pente là. Pour accéder aux endroits plus... Profond, calcaire, calcaire. C'est du calcaire, donc on veut enlever là. On enlève là pour voir ce qu'il y a en dessous. Ça, on enlève. Ok, ND est parti le faire. ND, et ça devient mon homme un petit peu à tout faire, là. C'est bien.
J'espère que tout va pas péter ici hein, quand je vais creuser, je crois pas, mais... Faut voir la stabilité qu'on a pour l'instant ici, mais... 4. Ouais, 4 parce qu'il est posé sur un bloc, c'est malin. Forcément. Donc je vais pas m'amuser à faire le sol maintenant, c'est pas si urgent. Ce que je veux, c'est la crypte fonctionnelle. Donc logiquement, on a récupéré des graines. Je vais regarder un peu ce qu'on a. On a 2 de betteraves, je vois ici. C'est bien betterave ici, hein, oui. Carottes. J'en ai 8. Ouais, pour moi, ça va pas qu'on... Oh, il y a un truc que j'ai pas compris, mais pourquoi est-ce qu'on doit faire ça comme ça? J'en fais un plus grand et qui sait pas tout faire, tout semer d'un coup, il veut plus, quoi. Donc c'est vraiment dommage. Du chou, je crois pas que j'ai. Malheureusement. Mais on doit peut-être déjà faire une récolte, donc on va essayer. Là, ça va plus. Oh, il y a quelqu'un qui a pu planter des herbes. Ah, quelqu'un a dû prendre le niveau suffisant. Bah bien. Et du coup, ils ont planté quand même alors qu'il n'y avait pas assez de graines. C'est bien étrange. Je pense qu'il y a autre chose on doit pouvoir faire un champ plus grand et que ça marche, hein, logiquement. J'essaie de plus m'embêter avec ça, on verra de nouveau si ça coince, mais... Allez, on va faire un petit peu le tour des armes disponibles. On a un arc de guerre de bonne qualité. Qui est pas trop mauvais en tir dans ce qui nous reste. Normalement, c'est Oscar, il a 14. C'est 4,07 en DPS, mais l'arc de guerre, c'est 3,7, d'accord. ND alors. Que là c'est 2,22 quand même, c'était beaucoup moins bien. D'accord, très bien. En arme, on a une épée courte très bonne à 4,44, ce qui me paraît pas mal. Non, moins bien que ça. La bardiche. Oui, 4,44 c'est mieux. On aura probablement pas mieux que ça. Ils doivent s'équiper eux-mêmes de bons casques normalement, mais... Couvre-chef de loup, à mon avis, c'est pas bien terrible. Hein. Je n'ai plus que 3 corps à corps. Je devrais pas mettre bonnet, en fait, juste home. Voilà. Je crois qu'ils vont pas couper si je ne demande pas moi-même de le faire. On va récolter. Voilà. Hop, une dernière récolte. Comme ça, on aura encore des graines. Alors pour la crypte, on a un petit peu bloqué à cause de l'escalier en pierre qui était très beau mais qui n'est pas faisable pour le moment. Je vais faire une petite échelle en bois ici pour venir travailler sur la crypte. Caravane marchande, une odeur d'épices portée par le vent annonçant l'arrivée d'une caravane marchande. Bien. On ne dit pas non, effectivement. On a des villageois épuisés. Alors l'orge maintenant, je dois pouvoir leur mettre. Attendez, j'ai oublié de faire. Dans la préparation des repas. Ça va bien aider. Même pour les animaux, on veut pas qu'ils meurent de faim. J'espère quand même que ça va marcher. J'ai envie de les réétendre ces trucs là.
Pas oh, pourquoi ça marcherait pas comme ça, quoi. Ça va marcher, ça va aller. Ok, des nouveaux qui sont potes, c'est bien. Alors, on peut faire la porte. De la crypte. Une porte en bois, une simple porte en bois. Oh, il y a ça également maintenant. Les portes de grange. Offrent une protection contre les éléments, mais pas contre les animaux errants ou les ennemis. D'accord. Ça a le mérite d'exister. Il en est où notre copain? Il est déjà complètement... Ah oui. Ah non, c'est des os maintenant. On pourra pas enterrer ND. Bon bah tant pis. J'espère que le bonus a quand même disparu. Oui, il a disparu. Bon. Ah, c'est dommage. Bon, on essaiera de s'en souvenir quand même, le pauvre. On va quand même finir la crypte malgré tout. Hein. Koub est endormi. Est-ce qu'on va le réveiller pour ça? Il est minuit. Oui. Alors, on voit qu'en facteur, dans les facteurs positifs, il y a satisfaction personnelle. Hein. Si on leur fait faire des choses qu'ils aiment bien, ils sont évidemment contents. Tant mieux. Si j'achète un deuxième âne, je peux faire un élevage. Mais est-ce qu'on pourra avoir des ânes qui donnent du lait? Peut-être. Logiquement, oui. On peut essayer. La glace, on peut en racheter un petit peu, ça coûte pas cher. Les briques de calcaire, c'est un peu cher, mais on va essayer de tout prendre quand même. La cire d'abeille, je m'en sers pas pour le moment. Ça, c'est de la nourriture. Alors, c'est bien, mais... Faut qu'on arrive à faire notre bouffe nous-mêmes. Hein. On prend toutes les graines. Les herbes, non. Des lingots de fer, pas trop besoin pour le moment. Ok, on pourrait acheter de l'or déjà tout préparé, mais franchement là ça va, ça suit pas mal. Je vais quand même le faire pour être sûr d'avoir assez de nourriture pour les animaux notamment. On pourrait tenter de recommencer un élevage de poulets. Bon, ils vont de nouveau se faire égorger. J'ai tué tous les putois de la map, donc peut-être ça peut aider. Sûrement. Voilà. Maintenant, il faut arriver à équilibrer 293 et là, c'est vraiment pas gagné. Donc, je pense que l'âne, pour le moment, c'est trop tôt. On n'aura pas l'argent. On va revendre une chèvre. On va vendre des trucs comme ça qu'on arrive à... dont on peut se passer, on va dire. Encore une. Bon, je vais peut-être pas pouvoir acheter tous les blocs de pierre que j'aurais voulu. On a plein de foin, par contre. Je vais un petit peu m'en débarrasser. Et ça va aller. Cool. Voilà, de la glace, des blocs pour construire, c'est pas mal. Voilà, les deux poulets sont rentrés, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder quand même la faune par animal et se dire qu'est-ce qui pourrait rentrer et manger le truc. S'il n'y a plus de putois, je pense que c'est bon. Je sais pas s'ils peuvent revenir les espèces une fois qu'on a tout tué, mais on va se dire peut-être que oui, donc les cerfs, on y va mollo, quoi. Il m'en reste 5. Les loups, pour l'instant, c'est peut-être un peu trop dangereux encore, mais je m'y attaque pas. On fera ça après. Mais c'est bien. Ok, on va planter la forêt. Ou commencer. Attendez, d'abord on va couper encore parce qu'en fait ça revient quand même. Franchement, on va le faire. On va faire une forêt renouvelable, mais je veux dire... on s'en tire quand même sans trop de problèmes. C'est qu'on finira quand même par couper trop, probablement. Il y en a même qui poussent ici sur notre place. On va les enlever.
Oh non, mais quel idiot, il y a ND, il a creusé sous lui-même. Il est tombé dans le trou, il va mourir. Pas vrai. Faut vite construire une rampe. Il va pouvoir la faire lui-même avec la terre qui est autour de lui. Oh, mais enfin, ND, vraiment, je te jure. On n'est pas aidé, quoi. Il peut pas construire. Ah d'accord, il a creusé. Purée, il va mourir. Vite, coube. Stick, c'est en train de le faire. Ok. Ah, le voilà, le sauveur. Après avoir lui-même réchappé de la mort il n'y a pas si longtemps. Est-ce que ND va tomber en bas ou est-ce qu'il va remonter? Ah, ça va, il s'en tient. Purée, va vite manger, tu vas mourir, là. Oh, il est affamé. Il est contrarié. Mais oui, mais tu peux t'en prendre qu'à toi-même, mon gars, là. Qu'est-ce que tu as fait? J'espère qu'il va pas mourir. Hein. Oh. Tu vas où? Va dans le cellier. Vas-y. Il y a à manger normalement. On a 25 repas là en ce moment, c'est pas mal. Mais va te mettre à table pour manger. Il a besoin de son petit confort, hein. Bon, du coup, sa jauge de nourriture, elle est où? Estomac 100%. Je sais pas, c'était revenu à son... Je crois que ça, c'est plutôt le mal quand on est malade. Hein. La nourriture, c'est là. Bon, ça va aller mieux. Faut qu'on récupère des gros EI à mettre là, en fait. J'en ai plus. Problème. Donc, ce qu'on va faire ici, ça va être enlever un de large en plus. Pourquoi? Bah pour faire des belles... des beaux pourtours. On peut considérer que sur le côté, on l'a déjà fait là, mais il faut le faire également ici à l'intérieur. Et donc... creuser... comme ceci. Là, on aura ça de large pour la crypte, un passage central, les tombes mises contre les murs de chaque côté, et quelques décos. Ce sera quand même pas mal. L'été, ok. On va mettre des beaux blocs de calcaire. On n'a pas besoin de beaucoup plus. Alors dommage, évidemment, le corps a pourri. C'est vraiment bien triste. De toute façon, pour l'instant, j'avais pas encore les beaux sarcophages, que les tombes anonymes. Donc j'aurais dû en faire une et... ouais. Ah non, voilà, attendez. Sarcophage en calcaire, sarcophage en bois. Mais non, on veut des sarcophages en calcaire, nous. Hein. Y a un sens ou pas? Peut-être comme ça. Peut-être j'aurais aimé un tout petit peu plus large, mais les piliers sont là, donc... c'est bien comme ça. Donc voilà, de nouveau le bug, hein. Champ de betterave, pas assez de graines à semer dans le champ, et pourtant on me dit que j'en ai 46 en stock, donc c'est impossible. Ça... enfin, à moins qu'il faille plusieurs graines par case, après tout. Puisque je vois qu'il y a quand même 4 betteraves par case, donc logiquement il faudrait 4 graines. Alors, c'est peut-être ça. C'est peut-être plutôt ça. Mais même, il n'y a pas assez, ben remplissez ce que vous pouvez, quoi, bon Dieu. Ouais, peut-être que juste... c'est quoi, on va faire un truc, je vais prendre Coriana.
Ouais, je peux pas clic droit pour accélérer, malheureusement. Bon, on va quasiment avoir tout qui va être rempli bientôt. Ça va aller. On a 26 repas préparés et on continue à bosser. On continue à bosser. Mais alors, ils ont enlevé en dessous, donc faut vite que je remette, hein. Attention. Et je voulais avoir un beau pilier. Là et là. Ok, pour avoir quelque chose quand même de vraiment bien. Le sol. Logiquement, là, on est en dessous. Je vais faire du calcaire. Peut-être juste du sol en calcaire. Des moellons, quoi. Pas des belles dalles. Je sais pas si j'aurai assez. Un marchand ambulant, ok. Alors. Où est-il? Koub. Koub est là, mais le marchand n'y est pas. Qu'est-ce qu'il est passé? De nouveau toutes les graines qu'on peut. Hein. Bah, c'est bien qu'ils viennent automne. Enfin, voilà, on en reçoit à peu près passivement quand même pas mal des graines. C'est bien. Ils n'ont généralement pas masse de choses différentes à vendre, ceux-là. Non. Je pourrais me faire un petit peu d'or, un petit peu d'argent. Il n'a pas beaucoup d'or non plus. En fait, il est assez pauvre, celui-là. Donc... on va se débarrasser. Pas grand chose dont je veux me débarrasser. Encore des trucs comme ça. Voilà. Ok. Alors, on a la base de la bibliothèque qui est terminée. Ouf. On va pouvoir au moins mettre un petit établi. À finir aujourd'hui, je pense tout, mais on a encore ceci à finir aussi. Peut-être commencer un tout petit peu la recherche pourrait être pas mal. Sachant qu'on a pas débloqué peut-être la recherche numéro 2. Voilà. Donc on a la table de recherche. Comment est-ce qu'on va se mettre? Je trouve que là, ça se mettrait peut-être bien pour mettre des postes de travail ici, comme ça. Ouais, ça, c'est cool. Près des piliers. Un là. Un là. On sait jamais que deux personnes veuillent travailler en même temps à la recherche. C'est bien. Est-ce qu'on a des salles bibliothèques? Oui, on en avait fait une de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il lui faut? Deux étagères murales ou bibliothèques. Facile. Étagère murale à outils. Céramique. Non, c'est peut-être pas ici. Attendez. Comment est-ce qu'on a fait ici? Qu'est-ce qu'on a mis? Étagère murale. On va copier. On va en mettre sur les piquets éventuellement. Sauf que j'ai mis des poutres partout, ce qui n'est pas le plus bête. Hein. Donc c'est mural. C'est moins bien que des belles étagères. Je suis pas sûr que je vais mettre des murales. En fait, il faut mettre des étagères normales. Bibliothèque, voilà. Dans divers, peut-être. Guerre, non. Mobilier, bien sûr. Bah oui, bibliothèque. Alors, est-ce qu'on ferait des rangées comme ça ou on pourrait circuler entre? Oui, c'est pas mal, mais on peut quand même tirer profit du mur, malgré tout.
Et donc quand on rentrait sur la gauche, on aurait les rangées de, la rangée de bibliothèque, ce serait pas mal. On aura besoin de beaucoup de place, hein. Ça peut sembler beaucoup ce que je fais, mais... on aura besoin de place. Alors la crypte, ça suit son cours. On a creusé... Bon, j'ai pas besoin de sol en fait là, zut. Bon, c'est pas grave. On va annuler là. Pourquoi j'avais pas besoin de sol? Parce que je vais mettre des murs là. Voilà. On aura bien le bord, c'est bon. Là, je vais laisser comme ça parce qu'on va prolonger plus tard. Donc on anticipe là-dessus et là, on voulait mettre la poutre. Oh, il y a des poutres en... des arches en blocs de calcaire maintenant aussi. Ça, c'est bien pour une crypte. 25 briques, oui, mais quand même. On va quand même le faire. Et pour les extérieurs, ça donnera vraiment bien aussi. Ça c'est bien. Alors, nouvelle recrue potentielle. Attention, les ravageurs. Hein. On va avoir 3 archers, 4 maraudeurs, 2 maraudeurs féroces. On va avoir ici quelqu'un doué à, peut-être au corps à corps avec un peu de chance, mais... Confection, forge, intellectuel. Bon. De toute façon, on aide les gens. Hein. Corps à corps 14 avec une étoile, pas mal. Discours 18... Ça n'intéresse pas particulièrement, mais elle est assez douée. Forge 0 avec une étoile, on va même pas la faire commencer ça. On pourra faire de la recherche, combattre. Pas grand chose d'autre. Dommage. Enfin, oui, on va trouver quand même des choses, attention. Hein. Elle s'est creusée aussi. Elle va faire la recherche, on aura besoin de plusieurs chercheurs, donc ça en recherche c'est bien. C'est juste que j'espérais peut-être construction botanique. Mais c'est bien quand même. On va la renommer. Alors, ce sera... Je regarde un petit peu mes notes. Qui avait demandé... Léna. Hop. Courtisane séduisante. Alors, est-ce qu'elle peut soigner? J'ai pas l'impression. 0 en médecine. Chasse, bah, ça va pas être son truc. Construction, pas du tout. Enfin, pas trop. Elle a 11, on va laisser les spécialistes s'occuper de ça. Coriana et Kobal. Et Styx, tout va bien. Croissance, bah, pas trop non plus. Récolte, non plus, elle risque de gâcher les récoltes. Hein. Élevage animal, non. Extraction, ok. Coupe de plantes, ok. Enfin... C'est botanique, hein. Donc on va pas le mettre. Je vais enlever cela parce qu'il risque de gâcher du bois également. Ou alors vraiment en 5. Cuisine, elle a 11, elle peut suppléer en 3. Fabrication, 3. Forge, ben non, on va pas lui faire faire malgré qu'elle aime bien ça, elle est trop nulle. Menuiserie, charpenterie, elle a 0. Confection. Ça l'intéresse et elle commence à 7. Bon, c'est pas génial. Hein. C'est quoi là? On va enlever également. Recherche, là oui. On va mettre en 2. Elle fera ça en priorité. C'est un peu embêtant de mettre en 2, mais si je ne le mets pas, elle risque de jamais le faire. Artiste. Ça pourrait lui plaire. Après... Pour l'instant, je fais pas d'œuvre d'art. On a d'autres artistes qui pourront être mieux, mais elle a 15. Je suis vraiment la reine d'autre à faire, elle fera ça. Sinon, on peut la mettre également à l'intendance, juste après la recherche. Et être sympa avec ND et lui enlever l'intendance. Même si on a mis bien d'autres choses. On fait un roulement, hein. Ok.
j'espère que ça va aller. J'espère qu'elle va s'équiper également correctement. On va s'occuper de ça maintenant. Pour la bouffe. En gestion. Nourriture. Toutes les nourritures, c'est de base. Ah, on avait dit corps à corps, hein, si je ne me trompe pas. 14. Bouclier, tous les boucliers. Casque, home. Tous les habits. Elle a un vêtement d'hiver. Je vais l'enlever, elle mettra ce qu'elle voudra. Et armure, toutes les armures. Voilà, pour l'instant, ça te paraît pas mal. Une équipe de recherche arrive dans un jour. Eh oui. Alors on a à nouveau ND qui est coincé, hein. J'essaie de, je l'ai fait en vidéo, mais j'essaie de le décoincer. Il faut arriver à avoir assez de bois pour faire ceci. Ou alors creuser une nouvelle rampe. En fait, plus il avance, plus il creuse autour de lui et il fait des bêtises en fait ND. Hein. Il va se tuer lui-même. Hein. Avec ses idioties. C'est vraiment un problème, je vais arrêter ça pour le moment. C'est de la terre, donc je vais... Qu'est-ce que je vais faire pour le remonter ? C'est qu'il est déjà tellement profond. Ah. Alors on va déjà lui demander de remettre de la terre là. Qu'il puisse repasser là. Est-ce qu'il peut construire ? Ah. ND, t'as combien en construction ? 6. Est-ce que Coriana peut venir faire ça maintenant? Non, parce qu'on manque de bois. C'est le problème. Ok. On va annuler ceci. Mettre de la terre là. J'ai pas de terre, j'ai que du calcaire. C'est un peu dommage d'utiliser du calcaire. Ah. Écoute, autre idée. On enlève ça. Ça fera de la terre. Il prend de l'XP, mais il creuse pas des masses. Hein. Il loupe là ou quoi? Et il a fait le dessous, d'accord. Je parie qu'il n'y aura pas de terre du coup disponible. On va continuer à creuser en espérant qu'il fasse pas d'idiotie. Il a déjà pu faire le premier, il va pouvoir faire le deuxième. Il va s'en tirer tout seul comme un grand. Ok, vas-y. Ça n'est plus nécessaire. Bon. Les champs, c'est beaucoup mieux. Ok, tout est défini sur max. Pas de graines, d'accord. Est-ce qu'on a la bibliothèque? Oh, non. On a une pièce en dessous, mais on n'a pas la bibliothèque. Pourquoi? Parce que j'ai pas de plafond encore ici, oui, oui, d'accord. On va faire un plafond en bois. Un sol en bois. On manque de stabilité à certains endroits, zut. C'est trop loin ici. C'est un peu embêtant. Ah oui, là aussi, d'accord. On va devoir faire mettre des pilastres dans les coins. Ça veut dire bouger, enfin, ou là sur les côtés aussi. Je pourrais faire un genre d'alcôve dans lequel on pourrait mettre un petit siège. Vous savez, à l'époque médiévale, ça se faisait pas mal, ça, des trucs comme ça. Ok, ça c'est bon. Bon, j'ai pas assez de briques, hein, faudra les faire, mais c'est comme ça. Là. Là, on va enlever la bibliothèque, on va la bouger, hein. On va la mettre
J'en sais rien, pour l'instant mettons-la là-bas, on la rebougera plus tard. Et là par contre, bah c'est bon, on n'a pas la porte donc je peux bouger ça également. Alors on va produire jusqu'à obtenir, je sais pas combien ça coûte pour l'instant ces bazars là, disons 30, on verra s'il faut ajuster. Bon, on va quand même aller regarder, jeter un petit coup d'œil. Par exemple les boucliers 2, ça en coûte 15, 15, 20, 25 j'ai vu. Donc franchement si on s'en fait 25 d'avance pour le moment, on peut progresser tranquillement, surtout que je vais pas toujours les utiliser. Ouais, disons 30 c'est bon. Peach la chèvre a donné naissance à deux petits enfants. Ouh là là. Ça se remplit déjà bien ici. Les poulets, on dirait qu'ils ont été de nouveau tués par une quelconque chose. Voilà qui est bien dommage. J'ai plus en acheter, c'est comme ça avant d'avoir résolu le problème. Parce que oui, c'est un problème. Les champs, c'est bon. On a 21 repas. Bon, c'est pas énorme. Hein. On va continuer à y travailler. Mais ça prend belle forme quand même. Donc, prochaine vidéo. On termine proprement la bibliothèque et on décore un peu. On termine la crypte avec un sarcophage prêt pour le prochain décès, on va dire. De toute façon, il y en a qui vont mourir de vieillesse aussi au bout d'un moment. Donc des morts, il y en aura de toute manière. Et on continue le logis après, tranquillement, avec des nouvelles pièces au fur et à mesure. On va essayer de s'améliorer également au niveau de notre équipement. Et peut-être qu'après ces deux pièces-là, on va quand même s'occuper de faire le pourtour, de faire une... Peut-être une palissade, parce qu'en calcaire, ça va être compliqué de faire tout en... Tout en pierre pour le moment. Les sources sont vraiment limitées ici. Il faudrait que je creuse encore. Mais ça reste compliqué. Donc on va voir. Voilà, à très bientôt. Salut tout le monde!